La quatrième prorogation de l'état de siège sera en vigueur incessamment dans les deux provinces, raison de la mission des services effectués par Anitouri par l'inspecteur général des FRDC, le général d'armée Gabriel Nkumba Amissi, pour contrôler l'utilisation des fonds publics alloués à l'armée nationale par les gouvernements congolais. D'après le général Gabriel Amissi Nkumba, une bonne transparence de ses finances de l'État permettra à l'armée de bien mener sa mission régalienne. De la 32e région militaire est rangée pour vous accueillir et vous rendre l'honneur à l'occasion de votre visite de travail et d'inspection. Je vous invite à passer des chemins en revue. Le commandant du chemin d'honneur, le major Likimba. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Nkumba Gabriel, à la tête d'une très forte délégation composée des experts en matière de finances et des inspecteurs militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, est arrivé à Bunia le dimanche 18 juillet 2021 pour une mission de service, le contrôle de l'utilisation des fonds publics mis à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo a reçu l'instruction de la haute autorité par le biais du ministre de la Défense nationale et ancien combattant de procéder au contrôle des fonds publics mis à la disposition des forces armées. Il a débuté cette opération du contrôle par les organes centraux de Kinshasa. Après l'étape de Kinshasa, vient le tour de deux provinces en état de siège, province de l'Ituri et la province du Nord Kivu. À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri où il est arrivé hier, il a entamé le contrôle ce lundi 19 juillet 2021 par le gouvernorat qui a mis tous les responsables des finances et leurs services à la disposition de l'inspectorat général pour cette fin. Nous devons contrôler, on ne peut pas laisser l'agent de l'État, le fonds de public comme ça. L'inspectorat des forces armées doit venir suivre les biens, les fonds que le gouvernement met à la disposition des deux gouverneurs qui sont en état de siège. Et là, on avait commencé à Kinshasa dans des organes centraux, donc c'est là où l'agent sort. Ils sont venus dire au monsieur le gouverneur, et lui-même, il vient de démettre tous ses services financiers à la disposition de la délégation. Après, vous les saurez. Rappelons que ce contrôle a pour objectif la rationalisation des ressources mises à la disposition des unités des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'accomplissement de leurs missions régaliennes, en s'intestant de l'état des sièges, restaurer l'autorité de l'État, lutter et mettre fin à la pratique des antivaleurs au sein des forces de défense et de sécurité, comme l'avait dit le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son séjour en Ituri et au Nord Kivu. Tenez, selon le rapport partiel du contrôle des structures de Kinshasa, un montant colossal en millions de dollars, plus ou moins 13 millions de dollars américains, a été retrouvé indûment gardé par certains commandants dans le mépris total des règles de gestion des finances publiques pendant plus d'un mois. Cet argent a été récupéré et consigné pour remettre au ministère de la Défense nationale et anciens combattants. En cas de détournement avéré, les auteurs seront suspendus de leurs fonctions et déférés à la justice militaire pour répondre de leurs actes. Après la province de l'Ituri, viendra le tour de la province du Nord Kivu.